Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse ce matin, qui vous rend heureux, qui vous accorde la paix, qui vous accorde la joie, l'amour, la bonté, la bienveillance. Que Dieu fasse du bien à vos projets et que Dieu vous donne la réussite. Il est Seigneur, il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur, il est notre rocher. En lui, nous avons la puissance. En lui, nous avons la grâce. En lui, nous avons la victoire. Il est notre Seigneur. Il est notre Papa. Il ne nous empêche pas à vivre la paix. Au contraire, il nous donne l'abondance. Que l'abondance de notre Seigneur se manifeste dans nos vies et que Dieu nous fasse du bien. L'Éternel est notre guide, l'Éternel est notre Père. Laisse-moi l'adorer ce matin. Je veux que chacun de nous élève sa voix, adore Dieu, commence à l'adorer, commence à l'élever, commence à le glorifier, parce qu'il est Seigneur, il est le Tout-Puissant, il est le Créateur. Il est le rocher de tous les âges, il est la manne cachée, il est l'étoile du matin, il est adorable, le Seigneur des Seigneurs, le Saint de gloire, le Dieu Tout-Puissant, celui qui dit et moi et la chose arrive, celui qui donne existence à ce qui n'existe pas. En lui nous avons la victoire, en lui nous avons la grâce, en lui nous avons la paix. Il fait de bonnes choses pour nous. Il accomplit des miracles pour nous. Il est Seigneur. Il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur de toutes les choses. Il nous a bénis ce matin. Il nous a donné la paix ce matin. Il nous a donné la grâce divine. Il nous fait du bien. Laissez-moi l'adorer. Laissez-moi l'élever. Je viens élever les rois des rois, je viens élever les saints des saints, je viens élever les tout-puissants. Il est Dieu, il me bénit. Il est Dieu, il fait du bien. Il est Dieu, il fait des miracles. Je vois la main de l'Éternel. Je vois la puissance de notre Dieu. Je vois son amour. Je vois sa bonté. Il est le véritable. Il est le Saint des Saints. Laissez-moi l'adorer. Je viens adorer le Maître. Je viens adorer le Tout-Puissant. Je viens adorer Adonai, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de bonté et de grâce divine, le Dieu de miracles et de paix. Il est Seigneur. Il nous a bénis. Il nous a fait du bien. Il est le Saint des Saints. J'ai la victoire avec mon Seigneur. J'ai la victoire avec mon Dieu. J'ai la victoire avec le Tout-Puissant. Il m'a créé. Il m'a fait du bien. Il nous a amenés au sommet. Il nous a amenés les miracles. Comment ne pas l'élever? Comment ne pas le glorifier? Comment ne pas sanctifier les maîtres? Comment ne pas proclamer le roi des rois? Comment ne pas glorifier le saint des saints? Celui qui est le tout-puissant, celui qui donne existence à ce qui n'existe pas, celui par sa main glorieuse amène la paix, celui par sa bonté amène l'amour. Yahweh, tu es Dieu, Yahweh, tu es grand, Yahweh, tu es puissant, Yahweh, tu es notre miracle, Yahweh, tu es le Seigneur des Seigneurs. Je bénis ton prénom, je bénis ta majesté, je bénis ta grandeur, je bénis ton miracle. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi te célébrer, laisse-moi glorifier ton nom, laisse-moi célébrer ta présence, parce que tu es le véritable, parce que tu es le Saint des Saints. Parce que tu es le roi des rois, parce que tu es la sainteté, je glorifie celui qui nous a amené la paix,
celui qui nous a amené la grâce divine ce matin. Je bénis son Saint-Nom, je bénis sa bonté, je bénis sa présence au milieu de nous. Je viens le célébrer. Je viens célébrer le grand Dieu. Je viens célébrer le Tout-Puissant. Je viens célébrer Adonai. Je viens célébrer le Roi des Gloires. Je viens célébrer celui qui est précieux. Je viens célébrer celui qui a un grand nom. Je viens célébrer celui qui est grand. Je viens célébrer celui qui est puissant. Il est puissant, notre Seigneur. Il est le libérateur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est Adonai. Il est le Roi des Rois. Laissez-moi l'admirer. Laissez-moi l'élever. J'élève le grand des grands. J'élève le Tout-Puissant. J'élève le Dieu des miracles. Sa bonté est élevée. Sa paix est au sommet. Il est le véritable. Il nous a bénis. Il nous a fait du bien. Il nous a amené la joie. Il nous a amené l'abondance. Il nous a amené la domination. Il nous a amené les miracles. Il a accompli son miracle ce matin. Il nous amène la liberté. Il nous amène la paix. Je reçois la gloire de l'Éternel. Je reçois la puissance de mon Dieu. Papa, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu donnes, Yahweh. Tu nous as jamais abandonnés. Papa, dans ton amour, dans ta préscience, Yahweh, tu nous accordes toujours du bien. Papa, tu es adorable. Les saints d'Israël, les dieux tout-puissants, les dieux remplis de compassion et de bonté, les dieux remplis d'amour et de grâce infinie. Papa, je te célèbre. Je célèbre le nom de Jésus. Je célèbre la gloire de mon Seigneur. Je célèbre la puissance de mon Dieu. Je célèbre ton miracle, Yahweh. Tu m'as accompagné dans toutes mes affaires. Tu as fait que, Seigneur, je puisse régner sur cette terre des hommes. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te glorifier? La joie de ma vie, c'est toi, Papa. Tu es la joie de mon cœur. Tu es la bonté de mon cœur. Tu es la puissance de mon cœur. Yahweh, tu es le miracle, Papa. Tu accomplis de bonnes choses pour moi. Papa, laisse-moi plaire encore, dominer encore. Papa, parce que tu m'as accordé la domination. Tu m'as donné le sommet. Papa, merci. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous bénis. Que la bonté de Dieu soit avec vous. Alléluia. Que la gloire de l'Éternel se manifeste à vous et que Dieu vous fasse du bien. Nul n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. 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 Si tu crois, si tu crois, si tu manifestes ta foi, rien ne t'empêchera d'aller au sommet. Car la main de Dieu, la main du Très-Haut est sur ta vie. Dieu ne peut pas te laisser. Dieu ne peut pas te lâcher. Dieu fait du bien toujours à nous qui sommes ses enfants. Dieu fait du bien toujours à nous qui portons son nom. Alléluia. Il nous fait du bien. Amen, 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 amen. Dieu ne nous lâche jamais. Il est Seigneur, il est Dieu. Il est Seigneur, il est puissant. Il est Seigneur, il est merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, laisse-moi te glorifier l'Éternel ce matin, parce qu'il est le véritable, parce qu'il est le Saint des Saints. Dieu vient toujours au contrôle de ses enfants. Dieu vient toujours imposer sa main. La main de l'Éternel n'est pas courte pour nous. La main de l'Éternel s'organise pour nous. Amen. Ce matin, je veux que tu invoques Dieu.
et tu lui demandes sa faveur. Demande la faveur de notre Dieu. Demande que Dieu te fasse faveur. Demande que Dieu exerce sa main sur toi. Tu as besoin de la faveur de l'Éternel. Tu as besoin de sa main glorieuse. Que la main de l'Éternel Tout-Puissant, la main de libération, la main de changement, la main de grâce, la main de l'élévation, la main de puissant, la main grandiose, la main de miracle, la main d'accomplissement de grandes choses, que cette main agit en toi, que la main de Dieu agit en toi, que la main de notre Seigneur se manifeste dans ta vie. Invoque Dieu, que le Dieu plein d'amour s'exerce maintenant sur ta vie. Invoquez la faveur de Dieu, invoquez la main de Dieu dans ta vie. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens invoquer ta main, Yahweh, que ta main glorieuse, ta main puissante, ta main libératrice, ta main de gloire, ta main de grâce se manifeste sur moi. Exerce ta main ce matin. Yahweh, j'ai besoin de ta main glorieuse, Yahweh, la main de notre Seigneur, la main puissante, Yahweh, s'exerce sur ma vie. Yahweh, amène la paix. Yahweh, amène la vie. Papa, je viens invoquer ta main puissante, Papa. Yahweh, agis, agis maintenant. Agis le Dieu de gloire, agis le Saint des Saints, agis le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Créateur, tu es mon rocher, tu es la manne cachée, tu es l'étoile du matin. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'élever, laisse-moi te propulser. Laisse-moi glorifier ton nom. Laisse-moi sanctifier ton nom. Je sanctifie le nom de mon Seigneur. Yahweh, tu accomplis de grandes choses dans ma vie. Tu es le miracle de ma vie. Tu es l'accompagnateur de ma vie. Tu es la puissance de ma vie. Tu es le changement de ma vie. Papa, en toi j'ai la paix. En toi j'ai la victoire. En toi j'ai la grâce. En toi j'ai la puissance. Papa, manifeste-toi. Fais-moi du bien, Papa. Que ta main, Yahweh, s'exerce sur mes enfants. Que ta main, Seigneur, s'exerce sur ma femme. Yahweh, ne nous laisse pas dominer par le monde des ténèbres. Ne nous laisse pas, Yahweh, écraser par les ténèbres, Yahweh. Je fais appel à toi. Je fais appel à toi, Seigneur. Yahweh, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur, de ta grâce, Papa, de ta faveur, Yahweh. Accompagne-moi, Yahweh, Papa, que ta grâce et ton bonheur et ta faveur m'accompagnent ce matin, Yahweh, partout. Papa, fais-moi grâce. Yahweh, que ta main soit sur moi, Papa, que ta main soit sur mes affaires, que ta main soit sur mon travail, que ta main soit sur notre église, que ta main soit sur la communauté. Bénis, Seigneur, tous les hommes de Dieu, les pasteurs de la communauté, qu'ils soient bénis. Yahweh, Papa, attise le feu, Éternel. Tu es ma bannière, Éternel, tu es ma solution, tu es mon rempart. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'élever, laisse-moi te proclamer, laisse-moi te célébrer. Je viens célébrer ton nom, je viens célébrer ta grâce divine, Yahweh. Accomplis, Seigneur, tes merveilles, Yahweh. Laisse-moi bénir ta sainteté, bénir ta bonté, Yahweh. Papa, tu es Dieu, Papa, tu es saint. Que ta main, Seigneur, soit sur mes finances, que ta main, Seigneur, soit sur ma réussite, que ta main, Seigneur, soit sur ma maison, que ta main glorieuse, Yahweh, la main libératrice, la main de paix, la main de grâce et de bonté, Yahweh, se manifeste sur nous. Yahweh, tu es Seigneur, tu es le grand Dieu, tu es le Tout-Puissant. À toi la gloire, à toi la grandeur, à toi la puissance. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi te célébrer, laisse-moi t'accompagner. Yahweh, Papa, je bénis ton saint nom, je bénis ta bonté, je bénis ta paix. Papa, quelle joie de t'avoir comme Seigneur, quelle joie de t'avoir comme Dieu. Yahweh, Papa, n'est-ce pas toi qui es le véritable, n'est-ce pas toi qui es le saint des saints. Yahweh, fais-moi du bien, Yahweh, fais-moi du bien, Yahweh. Accompagne-moi ce matin, Papa, exerce ta main, exerce ta bonté, fais-moi grâce, Yahweh, Yesué, Yesué,
Tu es Dieu, tu es saint. Tu es Dieu, tu es puissant. Je bénis ton nom. Je bénis ta bonté. Je bénis ta présence ce matin. Papa, Yahweh, élargis mes limites. Yahweh, élargis mes limites. Papa, comble-moi de ta puissance. Comble-moi de ta grâce, Yahweh. Comble-moi, Seigneur. Comble-moi, Seigneur. Amène la paix. Amène la liberté. Amène la grandeur. Amène les miracles, Yahweh. Que ton miracle, Seigneur, s'exerce dans ma bouche, Yahweh. Que ton miracle, Seigneur, s'exerce dans ma maison. Yahweh, fais-moi du bien. Fais-moi du bien, Papa. Fais-moi du bien, mon Dieu. Fais-moi du bien, l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui exerce la paix, le Dieu qui exerce la bonté, le Dieu qui exerce les miracles. Yahweh, que ton miracle entre dans ma maison, que ton miracle entre dans mon foyer. Yesoyo, Yesoyo, tu m'accompagnes chaque jour, tu m'accompagnes, Yahweh, le matin, tu m'accompagnes, Yahweh, le soir. Papa, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas élever le Seigneur, le Tout-Puissant, le Créateur, le Rocher, la manne cachée, l'étoile du matin. Oh Yahweh, n'est-ce pas toi qui es Dieu? N'est-ce pas toi qui es Seigneur? N'est-ce pas toi qui es puissant? Tu es puissant, Yahweh. Tu es merveilleux. Tu es la joie de ma vie. Tu es la créativité de ma vie. Papa, tu fais des bonnes choses pour moi. Tu fais de bonnes choses pour nous, Yahweh. Tu fais de bonnes choses pour ma maison. Yahweh, ton miracle, Yahweh, se manifeste sur nous. Nous voyons la main de paix, la main de grâce, la main glorieuse, la main libératrice. Yahweh, que ta main soit sur ma maison. Que ta main, Yahweh, soit sur ce que j'ai produit. Que ta main, Seigneur, soit sur mes projets. Que ta main, Seigneur, soit sur la promotion, Yahweh, de ma vie, Seigneur. Papa, amène-moi, Seigneur, à une nouvelle dimension. Je vais devenir, Yahweh, Papa, cadre, Papa, c'est ça mon objectif, Yahweh, que je sois un grand cadre, Seigneur. Yahweh, change-moi, change ma vie, Yahweh, amène la victoire dans ma vie, Yahweh, amène la victoire dans ma maison, amène la victoire dans mes affaires, amène la victoire. Papa, je ne vais pas m'affaiblir, Yahweh, mais Seigneur, je vais vivre la paix, je vais vivre la grâce, je vais vivre la domination. Tu m'as créé pour dominer, tu m'as créé pour réussir. Papa, je ne vais pas échouer, je ne vais pas échouer, je vais aller de l'avant, je vais entrer dans la dimension divine, Yahweh. Exerce ta main, Yahweh. Exerce ta bonté, Seigneur. Je lève mes mains vers toi. Je lève mes mains vers toi, Yahweh. Je proclame la grâce divine. Je proclame la puissance. Je proclame les miracles, Yahweh. Que ton miracle se manifeste à moi. Que ton miracle, Yahweh, se manifeste dans ma vie. Oh, Yesu Nangai, Yozali Nzambe. Yozali Nzambe, Yozali Mokonzi, Yozali Longa, Yozali Mokonzi, Zwa Lokomo Yahweh, Zwa Lokomo Kolo, Zwa Lokomo Longa Nabasato, Papa, parce que tu es le meilleur, parce que tu es Seigneur, parce que tu es puissant, parce que tu es merveilleux, merveilleux est ton nom, puissant est ton nom, gloire est ton nom, élévation est ton nom, je proclame la grandeur. Je proclame la puissance, je proclame les miracles, je célèbre ton nom, je célèbre la grâce divine. Papa, tu es le Dieu d'abondance, Papa, tu es le Dieu des miracles. Laisse-moi t'adorer, laisse-moi t'élever. Yesu Nangai, Ozanzambe, Ozanzambe, Ozelonga Nangai, Ozamokonzi Nangai, Ozankembo Nangai, le Papa. Que ta main, Yahweh, soit sur moi et sur mes affaires. Que ta main soit sur notre église, Yahweh. Que les bien-aimés de CCPV vivent la main de l'Éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, bénis cette assemblée.
bénis tous ceux qui viennent, oh Yahweh, à cet endroit, qu'ils vivent dans l'abondance, qu'ils vivent une vie épanouie, une vie de grâce, une vie de faveur, une vie d'élévation, une vie de miracle. Yahweh, que les miracles, Yahweh, se manifestent dans leur vie. Papa, accompagne-nous partout. Papa, exerce ta main, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Il est grand, il est Dieu, il est puissant, il est véritable, il est le grand des grands, il est le puissant, il est riche, il domine. Il fait de grandes choses, c'est Dieu tout puissant, il est le Dieu des miracles. Bien-aimé, ce matin, je ne cesserai pas d'élever ma voix pour atteindre le sommet. Alléluia. Tout ce que nous voulons, bien-aimé, nous sachons que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois que tu peux changer de position aujourd'hui? Bien-aimé, je ne parle pas de demain. Je vais te donner un secret. Quand tu pries, ne prie pas pour remettre les choses au futur. Prie pour que Dieu fasse now, maintenant. C'est pourquoi moi, quand je prie, je conjugue au présent. Alléluia. C'est ça la foi. Là, tu dis, Seigneur, si tu pourrais dans l'avenir, non. Seigneur, c'est ton père. L'enfant, quand il te demande les McDo, il dit, papa, papa, dans le futur, tu me donneras les McDo. L'enfant demande, il dit, papa, je veux les McDo. Il les conjugue au présent. Je veux les McDo. Moi, je vais à Dieu, je suis un enfant. Comment je peux commencer à demander Dieu dans le futur? C'est que je ne crois pas que Dieu est capable de me les donner. C'est pourquoi je mets un temps élargi. Non, je veux ça tout de suite. Maintenant. Vous allez quand vous sikoyo. Mais on s'en met la poêle à l'obité sikoyo. Now. Vingéo. Kounia. Je le veux tout de suite. J'ai besoin de l'argent, pas pour demain. J'ai besoin de l'argent maintenant. Imagine si j'avais 5 millions dans mon compte de banque. Les choses vont changer. Je ne vais pas travailler ce matin, je serai là devant ma Bible en train de préparer les messages pour vous autres. Ce sont des besoins now, des besoins kunya, maintenant. Alléluia. Alors demande à Dieu. Tu veux changer de position. Dis, Seigneur, change ma position. Comme tu avais changé la position de cet homme qui couchait pendant 38 ans au bord de la piscine. Comme l'eau est en train de bouger aujourd'hui. Toi, tu n'avais pas besoin qu'un ange descende. Tu as décidé dans la vie de cet homme le même jour, au même instant. Tu n'as pas entendu qu'un ange vienne. Alléluia. Parce que l'ange venait dans le futur. Dieu n'a pas entendu. Live. Il a fait un live. Now. Alléluia. Il est entré dans le temple. Il a vu une femme qui était courbée pendant 18 ans. Dieu change sa position. Alléluia. Un aveugle qui sortait de sa maison pour aller mendier. Et en route, Jésus le voit. Il dit, hey, yo, yakawa. Il dit, maintenant va au Siloé. Va laver ton visage. Il lave le visage. L'aveugle n'était plus aveugle. Pierre croise quelqu'un devant le temple. La personne était mendiante. Il lui demande de l'argent. Pierre, kakamutwa mukilio. Un homme comme moi et toi. Pierre change la position de cet homme. Que ta position change ce matin. Élève ta voix. Implore Dieu. Que le Dieu de changement change ta position. Prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je viens t'implorer de venir changer ma position. Change ma position, Seigneur. Viens changer ma position. Ce matin, je te suis reconnaissant, Yahweh. Papa, tu m'as dit ce week-end, tout est possible à celui qui croit. Yahweh, moi j'y crois, je n'en doute pas. J'y crois, Seigneur, viens changer.
J'ai changé ma position, changé ma position, changé ma position, changé ma position. Yahweh, viens changer ma position. Viens changer ma position. Viens changer ma position. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui fait des grands changements, Dieu d'Israël. Ce matin, je suis venu au devant de toi, ô Dieu d'Israël, te demandant, Dieu d'Israël, comme ton serviteur a dit, Jésus, toi qui donnes un pain à celui qui demande un pain. C'est ce matin que je vais, que mon histoire change sur la terre de vivant, ô Dieu. Toi qui changes les biens, le mal en bien, Seigneur, opère un miracle ce matin dans ma vie, Jésus. Que tout dans mon corps soit restauré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout dans mon esprit soit restauré, dans mon âme soit restauré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu, que la gloire Yahweh céleste soit manifeste dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ. Que de nouvelles portes s'ouvrent au-devant de moi, au-devant de mon mari, au-devant de son ministère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, amène mes enfants, ô Dieu d'Israël, au sommet aujourd'hui, pas demain, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que mon histoire change, je t'ai pris de les changer dans tous les domaines, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh céleste, que tu étendes ta main et que je sois élargi dans tous les domaines, ô Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, que mes enfants s'élargissent, ô Dieu d'Israël, dans les études, dans les emplois, là où ils vont, ô Dieu d'Israël. Yahweh, qu'ils puissent trouver grâce aux yeux de leur supérieur, ô Dieu. Yahweh, qu'ils soient propulsés dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, fais-moi du bien, Père. Aujourd'hui, fais-moi du bien. Aujourd'hui, fais-moi du bien. Dans le nom de Jésus-Christ, mon histoire change. Mon histoire change, l'histoire de mon mariage change, l'histoire de ministère change, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus, l'histoire de mon église change, qu'elle soit établie, ô Dieu, dans ces pays, qu'elle rayonne, ô Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, qu'elle soit une référence en puissance, en nombre, Jésus-Christ de Nazareth, en finance, dans tous les domaines, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu es Dieu, tu es capable, tu es Dieu, tu le fais, Yahweh céleste, au nom de Jésus-Christ, change mon histoire, papa, change mon histoire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, amen, amen, amen. Bien-aimés, nous continuons toujours dans la prière, comme on nous a prêché ce week-end sur la foi, tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi nous devons croire. La foi, on nous a prêché, ça a été défini comme les choses que nous ne voyons pas, mais que dont nous espérons. Et sans cela, nous ne pouvons pas être agréables aux yeux de Dieu. Ce que j'ai aimé, c'est que l'homme de Dieu disait, pourquoi vous venez? Pourquoi ce matin on vient prier si on ne croit pas? Pourquoi nous allons à l'église si nous ne voulons pas croire? Pourquoi nous faisons des jeûnes? Pourquoi nous faisons tant de sacrifices si nous ne voulons pas croire? Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes aiment les choses difficiles. Les choses simples, faciles, c'est difficile de l'accepter. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Qui a dit à cette femme-là qui perdait le sang, si tu touches les pans de la robe de Jésus, tu seras guéri? Qui lui a dit? Est-ce qu'il y avait un modérateur? Est-ce qu'il y avait un pasteur? Non! La foi, bien-aimée, te donne l'intelligence spirituelle de faire des choses dictées par l'Esprit qui vont glorifier le Seigneur. Et ce matin, ma prière est que nous nous joignions dans la foi pour les prières que nous sommes en train de faire. Que nous croyons. Ne dites pas ça va venir comment, ça va commencer comment, l'état est passé, l'âge est avancé, on est arrivé à la fin de l'année, l'histoire que je demande, ça peut prendre 3 mois de préparation et 4 mois. Maintenant, il y a bien aimé, la Bible dit Dieu paie tout. Maintenant, là où nous sommes, là où tu es, Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Au ciel, bien-aimé,
Si à ce moment où nous sommes dans cette saison, Dieu se décide de faire pleuvoir la pluie, il le fera. Souvenez-vous comment il a arrêté la marche du soleil, alors qu'il est écrit, tant que le ciel et la terre subsistera, le soleil s'élèvera et se couchera, la lune à son temps. Mais un jour, il a arrêté. Dieu fait tout. Est-ce que nous pouvons joindre nos esprits maintenant, nous connecter réellement? Si Dieu maintenant se décide de bouleverser la terre, il le fera. Sa main fait tout. La Bible dit, il ouvre la bouche, sa main derrière pour l'accomplissement de ses desseins. Même dans les lieux infernaux, Dieu fait tout. C'est à ce Dieu-là que nous sommes venus ce matin. Qu'est-ce qui est impossible? La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes, impossible à Dieu. Et il y a encore un verset qui dit, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que nous pouvons croire et croire à la délivrance, croire à la guérison, croire à la bénédiction, croire à ce Dieu qui fait tout dans nos vies? Bien-aimé, ce matin, je t'exhorte dans le nom de Jésus, même les prières que tu as oubliées parce que ton intelligence t'a dit ce n'est plus la saison, ce n'est plus le temps, c'est j'ai vieilli. Bien-aimé, ce sont ces prières-là, moi et toi, nous allons prier ce matin. Au devant de ce Dieu qui fait tout, c'est lui qui a créé le monde visible et invisible. Il est capable d'opérer des grandes délivrances même dans le monde invisible. Dieu fait tout. Dieu fait tout. Et tout est possible à celui qui croit. Ça là, c'était une courte exhortation pour booster ta foi. Ce matin, nous allons prier à ce Dieu-là qui autrefois, quand Israël a crié, la Bible dit, sa main est descendue du ciel jusqu'à la terre pour fendre les eaux, pour créer un passage dans les eaux, pour que les rachetés passent. Nous allons commencer par le domaine de délivrance. Dieu fait tout. Nous allons prier, bien-aimé, que cette main qui est descendue, bien-aimé, est-ce que tu as déjà vu les dessins de la main de Dieu dans la Bible? On a dessiné. Voilà la main de Dieu qui est descendue. Mais la Bible dit, sa main était descendue. Quand sa main descend dans ta vie, bien-aimé, c'est la manifestation de sa gloire qui témoignera sa main. C'est cette main que nous allons prier ce matin. Qu'il te délivre. Qu'il délivre ta vie de tout ce qui est maléfique, des maris de nuit, des alliances des ténèbres, des contrats de famille, je ne sais quoi, tu vis, qu'il te délivre de l'envoûtement, qu'il te délivre de la malédiction. Nous prions d'abord pour la délivrance ce matin, après on va passer, qu'il te délivre de l'aveuglement spirituel, qu'il te délivre des maladies imposées par le monde des ténèbres, qu'il te délivre des cimetières. Toi, quand tu rêves les cimetières, tu rêves la perte, que la main de Dieu de délivrance descend. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Créateur et Créé. Dans le nom de Jésus, le Dieu qui opère des délivrances étonnantes, c'est lui qu'on m'a témoigné cette fin de semaine qui a délivré Daniel dans la fosse au lion. C'est toi que j'invoque ce matin dans ma maison, Dieu d'Israël. C'est lui qui a délivré Yesu. Il a délivré Shadrach, Meshach, Abednego. Yahweh céleste du feu ardent. Yahweh, c'est toi que j'invoque. Descends cette main, Dieu d'Israël, dans ma vie. Descends cette main dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants. Délivre-moi de tout filet de ma maison, de tout filet de l'oiseau. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, délivre ma maison de la peste et de ses ravages. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, délivre ma maison, délivre mes enfants, Seigneur. Yahweh, des lois de famille imposées dans les ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Et livre, papa, des esprits de zoo, des esprits de forêt, des esprits de cimetière, des esprits géants, Yahweh céleste. Oh Yahweh, c'est des lois, des systèmes, Yahweh d'incantations familiales. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, des mariages importants.
enfoncé dans les ténèbres, j'invoque le Dieu de délivrance. J'invoque ce matin le Dieu de délivrance dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Descends ce matin, papa. Tu n'as pas dit à Israël, va gêner d'abord. Tu n'as pas dit à Israël, va te sanctifier d'abord. Tu n'as pas dit à Israël, va donner une offrande. Quand Israël a crié vers toi, papa, tu as vu que derrière ton peuple, Yahweh Céleste, il y avait le Yahweh une armée. À côté, il y avait des montagnes. Il n'y avait pas d'issue. Et devant eux, il y avait la grande mer rouge. Yahweh Israël a crié vers toi, le papa responsable. Tu as descendu ta main. Yahweh Céleste, tu n'as pas dit, vous avez longtemps vécu 30 ans dans l'incrédulité. Yahweh, tu es le Dieu qui entend la prière, qui délivre de toute détresse. Ce matin, Jésus, délivre mon âme, délivre mon esprit, détache mon esprit des esprits de famille, des alliances de famille, des accords de famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, ta main descend, sors ma vie, sors mes enfants de la puissance de prison. Yahweh, céleste de famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, délivre, papa, le Dieu de délivrance. C'est toi que j'invoque ce matin. C'est toi que j'invoque ce matin. C'est toi, Seigneur. Même si les accords, je les fais consciemment ou inconsciemment. Mon mari a fait consciemment ou inconsciemment. Mes enfants l'ont fait consciemment ou inconsciemment. Papa, tu es le Dieu qui délivre. Yahweh, ce matin, descends ta main. Délivre toute ma maison, de toute prison, de toute alliance, de tout accord, fait consciemment ou inconsciemment ou imposé par les familles, par les saints. Je proclame la délivrance des maladies imposées dans les saints, des condamnations imposées dans les saints. Yahweh, dans le nom de Jésus, selon notre original Yahweh, descend ce matin, papa, délivre de la pauvreté imposée dans les saints, de l'esprit de destruction, des limitations imposées dans les saints. Au nom de Jésus, de la malédiction imposée dans les saints. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par rapport aux arrangements, aux accords de famille, délivre Dieu d'Israël, délivre Dieu d'Israël, fais quelque chose ce matin, restaure Yahweh, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, que ta main soit témoignée, que ta main soit témoignée, comme on témoigne jusqu'aujourd'hui, tes bienfaits Jésus-Christ, Yahweh, pour la délivrance de ton peuple, Yahweh, que cela soit un témoignage, et oh, ce matin soit un matin de témoignage, de grande délivrance, des mariages doctrine imposée, Yahweh, leur cachet spirituel, Yahweh, c'est leur tatou spirituel imposé dans les sangs, Yahweh, que nous recevons la délivrance de ta peur, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, délivre des rêves occultes, délivre Yahweh céleste des rêves, Yahweh rentre dans les Yahweh céleste, dans les systèmes spirituels, Yahweh délivre des rêves, délivre des accords des rêves, délivre de la nourriture que mange dans les rêves, délivre Yahweh de toute imposition, de toute sorcellerie imposée dans les rêves, délivre Jésus ce matin. Ce matin soit un matin glorieux pour la délivrance au Dieu d'Israël. Je suis en train de voir comment Myriam dansait par le tam-tam après la délivrance au Yahweh que nous célébrons ta grandeur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, délivre papa, délivre Jésus Christ des incontinences doctrine, délivre Jésus Christ dans le nom de Jésus-Christ des célibats imposés, des stérilités imposées, délivre Jésus-Christ de la sécheresse imposée, des limitations imposées, des esprits de mort imposés, de leur calendrier, délivre Jésus-Christ de leurs agendas de ténèbres, Yahweh Céleste, là où ils ont écrit nos noms, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Et tout est possible à celui qui croit. Bien-aimés, nous sommes dans la prière, nous allons continuer à prier. Bien-aimé, la manifestation de la délivrance, c'est quand on voit les bienfaits de Dieu. On peut dire qu'on est délivré dans tel domaine quand on commence à vivre de nouvelles choses par rapport à ça.
C'est ce que nous voulons prier. Dieu peut tout. Dieu peut tout, bien-aimé dans le Seigneur. Cet enfant-là qui était né aveugle, les disciples ont dit, qui a péché? Qui a péché? Bien-aimé, il y a des choses, ce n'est pas le péché comme disait Jésus. Mais pour que cette chose témoigne Jésus, c'est pour la gloire de Dieu. Et quand Jésus est passé là, c'est lui qui est né aveugle, a recouvert la vue. Vous rendez compte, tu n'es pas devenu comme Bartimée, mais lui né aveugle, né dans la limitation, né dans la pauvreté, né dans une famille où c'est écrit personne ne lèvera la tête. Hier, j'écoutais le témoignage d'une femme qui disait que dans notre famille, on ne peut pas se marier. Moi, ma mère se vantait de moi dans ma famille. Voilà ma fille. Quand c'est arrivé le jour où on devait la marier, 3 jours avant, cette maman-là, on l'a imposé la folie pour qu'elle ne voie pas les bienfaits. Bien-aimée, le monde des ténèbres existe et travaille. Mais ce que je sais, Dieu est puissant. J'aime dire qu'il est le Tout-Puissant. Il s'est révélé à Abraham comme le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons voir la manifestation de sa gloire dans nos vies. Le mari ne nuit pas et le mariage arrive. La restauration du mariage s'est fait. Le miracle de Dieu s'est fait. L'aveuglement est parti de la vie de cet enfant. Cet enfant, la vie l'a été étonnée. Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Il a commencé à voir. C'est ce que nous voulons voir. Le saignement est parti. Bien-aimé, la guérison soit manifeste. Nous, c'est ce que nous voulons voir. Le bienfait de Dieu. Les surprises agréables quand Dieu donne au-delà, c'est ce que nous voulons demander, moi et toi. Nous allons nous accorder dans le nom de Jésus pour demander ces choses. Comme il a étendu sa main, il nous a délivrés, que ses bienfaits soient manifestes. Demande les choses concrètes, demande les choses manifestes, que le monde dira, il est Dieu. Que le monde dise, Asimbikisi, il a touché au fétiche. Or, c'est la main de Dieu. Nous allons témoigner ce Dieu-là. Prions dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, l'opérateur de délivrance étonnante, oh Dieu, les rois pouvaient se lever le matin et venir dans la fosse, Yahweh, là où il avait posé Daniel, Yahweh, se laisser d'être la nourriture des lions. Et dire, oh Daniel, où est ton Dieu? Il a vu Daniel sans ingratitude. Et c'est ça la délivrance, papa. La Bible dit, Yahweh, les apôtres qu'on avait arrêtés, qu'on avait mis dans la prison, quand ils sont venus le matin, ils ont vu la prison fermée, mais ils sont rentrés à l'intérieur. Ceux qui étaient à l'intérieur n'étaient pas là. Oh Dieu, toi qui as donné la joie dans le mariage à Cana, pendant que le vin manquait, Yahweh céleste, tu as opéré un miracle, Yahweh, dans la transformation, fermentation des vins, pour que la joie rentre. C'est toi que nous voulons voir ce matin. Nous voulons voir ce Dieu-là, dont la Bible dit, il guérit toutes les maladies. Nous voulons te voir ce matin. Voilà pourquoi j'ai pris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'un nouveau chemin de gloire s'effraie sur ma route, papa. Un nouveau chemin. Yahweh, c'est laissé de gloire s'effraie. L'élévation s'empare. Yahweh, soit manifeste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yesu, opère. Opère, Yahweh, céleste, dans le nom de Jésus, que mes enfants soient élevés comme Ephraïm et Manassé, qu'ils soient des témoignages de ta gloire sur la terre des vivants, en renom, en richesse, en gloire, en tout. Jésus-Christ, opère, Yahweh, opère ce matin, tu peux tout au ciel,
Sur la terre, tu peux tout. Yahweh céleste, élève mon église, élève le ministère de mon mari, que cela touche les extrémités de la terre. N'est-il pas dit, Seigneur, dans ta parole, demandez, je vous donnerai les extrémités de la terre comme héritage et partage. Yes, où je viens demander, Yahweh céleste, dans tous les pays, que le ministère de mon mari s'étende et s'élargisse. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu as dit dans ta parole, tu nous as pas refusé, Jésus. Tu l'as donné, ton unique et ton seul. Yahweh, combien plus forte raison ne nous donnera pas, Yahweh, tout ce que nous demanderons à lui. À lui, nous demandons la richesse, papa, dans tous les domaines, oh Yesu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Isaac. Oh, remonte, Yahweh, céleste Jésus, l'élargissement, je le veux, je le demande à toi, notre Dieu. Yes, ou toi tu bénis, tu ne fais suivre d'aucun chagrin. Au nom de Jésus, élargis mon mari, élargis mes enfants, élargis-moi Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que la honte parte définitivement, que ta gloire soit les vêtements qui vont revêtir ma maison. Ta gloire, Jésus, la gloire de la dernière maison, comme tu l'as promis. Au nom de Jésus, que la restauration dans tous les domaines soit manifeste, Dieu d'Israël. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'argent rentre dans nos projets, dans nos affaires. Yahweh céleste, que ta gloire soit manifeste. Papa, bénis et bénis bien. Bénis et bénis bien. Ma prière, que ceux qui ne te connaissent pas voient de quoi tu es capable par rapport à ceux qui mettent leur confiance en toi, ceux qui s'appuient en toi, ceux qui regardent en toi. Ma prière est que ton nom, Jésus, soit témoigné jusqu'aux extrémités de la terre par rapport au miracle que tu vas opérer ce matin dans ces prières. Ta Bible me dit de toi, papa, tu es mon père, agis et moi j'agis. Agis Jésus-Christ, agis Jésus-Christ. Donne-nous la victoire dans tous les combats, visibles et invisibles. Que la victoire soit notre partage et héritage à toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, fais de notre notre marchepied. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, Père au Père les surnaturels, Père au Père les surnaturels, tous ceux qui nous en veulent, tous ceux qui nous jettent les pierres. Oh Dieu d'Israël, que tu t'élèves, que tu nous défends, comme tu avais défendu cette femme Yahweh céleste, qu'on avait condamnée par les pierres, parce qu'on l'avait trouvée en flagrant délit d'adultère. Yahweh, c'est qui voulait les, Yahweh, c'est, tu as dit, celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la pierre. Il n'y avait personne. Des femmes en maison, Dieu d'Israël, de ces femmes en maison, dans tous les combats, visibles, invisibles. Yahweh, tu as donné ta vie, tu as tout accompli pour que nous marchions sur la terre des vivants. Yahweh, c'est laissé accomplir ce que tu as préparé d'avance pour nous, pour que nous marchions sur la terre des vivants, papa, en vainqueur. Au nom de Jésus, tu as dit, celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Jésus. Que nos ennemis se dispersent. Yahweh, qu'ils tombent et qu'ils meurent. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, papa, nous voulons te voir agir. Que ce matin soit ce matin. Que cette journée soit cette journée. Yahweh, notre histoire soit bien changée de mal en bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est dit de toi, Yesu. Chaque matin, tu renouvelles tes bontés. Que cela soit manifeste, que cela soit manifeste pour mes enfants qui vont aller à l'école. Yahweh, c'est que tes bontés soient manifestes. Yahweh, que tout un chacun rentre avec un témoignage de ta gloire. Au nom de Jésus, l'élolomité Yesu, aujourd'hui pas demain. Étends ta main, Seigneur, étends ta main, marche mon candidat. Que je retourne, Yahweh, glorifié à ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible. La Bible dit, papa, tu n'as pas changé. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu es le même. Tu es le même Dieu qui a sorti par la prière Pierre en prison. Yesu, élargis ta main. Étends-la, Seigneur, que toute prison tombe, les portes tombent,
glorifie ton nom. Nous te prions de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Fais-nous du bien, Père. Fais-nous du bien, Père. Fais-nous du bien. Même les femmes, les hommes qui ne vont pas sortir, qui vont rester à la maison, qu'ils voient ta main. Yahweh, un coup de fil qui va amener des opportunités d'argent. Un coup de fil qui va amener un emploi. Yahweh, fais-le pour la gloire de toi. Le mariage est magané. Que cela soit restauré. Oh, la restauration visible, papa, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je sais qu'il est temps, mais mon désir maintenant est que nous nous opposons. Si tu trouves que tu peux partir, parce que le temps est arrivé, tu peux partir, même deux ou trois ou bien seul, nous allons prier pour résister au plan des ténèbres, parce qu'il y a un ennemi juré qui a juré depuis l'Éden de faire souffrir l'homme. C'est celui-là que nous allons résister, nous allons les chasser, nous allons dire à Dieu qu'il soit devenu notre marchepied. Prions dans le nom de Jésus, l'ennemi des nord, du sud, de l'est et du centre, qu'il soit chassé. Toi Satan, avec tes manigances, toi Satan, avec tes acolytes, les sorciers, les magiciens, nous te résistons à tout ce que vous avez planifié, tout ce que vous avez arrêté. N'est-il pas écrit, les arrêtés de Dieu qui subsistent? Je résiste à toute forme, à toute puissance occulte qui m'empêche d'entrer dans ma destinée. Au nom puissant de Jésus, oh, toi qui opères par le feu, que le feu de Dieu réduise en cendres tout ce que le monde des ténèbres a planifié contre ma maison. Au nom de Jésus-Christ, toi, esprit des chiens, esprit des chats, esprit des rats, esprit de divination, esprit de famille, toi qui dis qu'on n'a pas cité mon nom, qu'importe le nom que tu portes, que le feu de Dieu réduise en cendres toutes vos œuvres, tous vos arrêtés, vos calendriers, vos systèmes, soient incendiés, vos radars, soient incendiés, calcinés, et vous-même, vous mourrez par le feu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je proclame et je déclare, je ne mourrai pas dans la main des hommes, non, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai. Toi mort, mort, où est ton aiguillon? Déclare la parole de Dieu. Pars, libère ma fille, libère ma maison, libère mon mari, mes enfants. Pars avec tes acolytes, tes anges déchus. Au nom de Jésus, je proclame la vie. Je proclame la vie. Je proclame la vie. Je proclame la vie, la restauration, la guérison, la manifestation de la gloire de Dieu, la délivrance ce matin, les bienfaits de Dieu, la gloire, la lumière de Dieu, l'onction de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu vous scandalise dans la bénédiction. Et retournez, écrivez-nous, témoignez Dieu dans le nom de Jésus. Merci.